Bon bah salut à tous. Bah voilà, le nouveau réacteur est en place. Seraflor 1000. Bon, pas des choses très glorieuses que je vais vous dire. C'est juste une arnaque. Il n'y a rien d'autre à dire. Ça peut pas porter d'autres mots. C'est une arnaque totale, ce réacteur. Pourquoi je dis ça? Avant, j'étais équipé du modèle en dessous. Du Seraflor 500. Voilà. Il est là. Vous allez me dire, le 1000, il est mieux. Il doit être plus puissant. Mais en vérité, non. En vérité, c'est le même. La seule chose qui change. Je démonte. La seule chose qui change réellement entre les deux, c'est ça. C'est la longueur de ça. Le Seraflor 500 est vendu avec un pas de vis en 12-16. C'est-à-dire là, on doit avoir un diamètre de 12. Et le Seraflor 1000 est vendu avec un pas de vis en 16-22. Alors évidemment, j'ai mesuré le Seraflor 1000. Il est en 16. Mais c'est bizarre celui-là aussi. Il est en 16. Le 12 y passe, hein, bien sûr. Une fois que vous l'avez mis en force, y a pas besoin de collier. C'est bon, ça passe, hein, t'inquiète. Hein. Ça fuira pas. Mais celui-là aussi, il est en 16. Celui-là, il est en 16. Ils ont le même diamètre. Le seul changement, c'est ça. Et ça explique 15 euros d'écart de prix. Ouais. Moi, j'appelle juste ça une arnaque. Concrètement, c'est tout. Bon, après, bien sûr, vous me direz, si ça c'est plus grand, les bulles de CO2, elles tourbillonnent plus longtemps dans le réacteur, donc le temps de dissolution est plus grand. Ouais, mais enfin. Ouais, après, je t'ai dit, tu réduis légèrement ton injection, au lieu d'être à 2 bulles secondes, tu passes à 1 bulle seconde. Enfin, je dis ça, là, comme ça, ce qui me passe par la tête, c'est peut-être n'importe quoi, mais voilà, c'est une approximation. Voilà, tu réduis un peu ton injection, ça injecte un peu plus longtemps, mais voilà, quoi. T'as économisé 15 balles sur ton réacteur. Donc, c'est ça. Voilà la fameuse différence entre les deux. Elle est là. C'est tout. C'est juste ça. Bon, après, ça marche, hein. Je vais pas me plaindre, hein. Il marche. Hein. Évidemment, le plastique, il est un peu moins vieilli. On voit la différence. Il est un peu plus joli. Ça fait un coup de rafraîchissement dans le meuble. Et puis, dans le pire des cas, voilà, ça fait un réservoir de secours. Bon, on va pas trop se plaindre non plus. Mais enfin, ça vaut quand même 40 balles, quoi. Et en le commandant sur un site allemand. Et si tu le prends en France, ça vaut encore plus cher. Donc voilà la nouvelle installation de l'aquarium. La petite pompe JBL 1500 litres. Bouteille de CO2 2 kg. Seraflor 1000. Compte-bulle. Chauffage externe. Voilà. Ça a évolué. Plus performant. Plus puissant. Plus cher. Évidemment, ça va de soi. Ouais. Rien n'est gratos dans ce domaine. Bon, ben voilà. C'était pour le petit dégoût de la soirée, on va dire. Allez, bonne soirée.